Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du film Playlist réalisé par Nine Antico et interprété par Sarah Forestier et Laetitia Dosh. Notamment parce qu'il y a évidemment d'autres acteurs. Mais celles-ci sont mes deux préférées quand même. Je ne connaissais pas Nine Antico et j'ai découvert l'abondance de ce film en allant voir Mandibule, le canton du pied au cinéma. J'ai tout de suite dit, ok, ce film va me plaire, il faut absolument que j'aille le voir. Je suis allée le voir et je suis tombée complètement sous le charme, je vais vous raconter pourquoi. Mais avant, je vais vous parler de ses bandes dessinées, parce que Nine Antico est avant tout une dessinatrice, une autrice de BD, et je l'ai découverte et j'adore ses BD. Donc j'ai lu pour l'instant Girls Don't Cry et Tonight. Je sais qu'il y a America qui est la suite de ces deux bandes dessinées. Là, on suit une bande de trois copines qui parlent beaucoup d'amour, beaucoup de la conquête à la fois d'elle-même et des autres, et des garçons. Bref, parlons de Playlist, le film. Donc il raconte l'histoire de Sophie, elle a 28 ans, elle est jouée par Sarah Forestier, et elle dessine partout dans son petit carnet, tout le temps sans arrêt, elle adore dessiner, c'est seulement un hobby, et elle aimerait en faire son travail. À côté de ça, elle est serveuse, accompagnée de Laetitia Dosh, sa grande amie, grande copine. Un jour, elle en a marre d'être serveuse et elle se fait embaucher en tant qu'attachée de presse dans une petite maison d'édition de bande dessinée. Or, elle se retrouve au milieu de connards absolument terribles, notamment son chef est vraiment pas quelqu'un de bien, mais elle va s'accrocher. Elle va s'accrocher et elle va jamais lâcher l'affaire, comme jamais elle ne lâche son carnet de dessin, jamais elle ne lâche l'idée qu'elle veut être dessinatrice. Sa meilleure amie, jouée par Laetitia Dosh, elle veut être actrice. Je vais pas trop en dire, mais il y a une scène formidable dans le film sur justement, il y a un moment, il y a une confrontation entre ces deux amies, une qui ne lâche pas l'affaire et l'autre qui commence à se dire, bon voilà, j'ai 28 ans, bientôt 30 ans, stop. Et il y a une conversation sur l'idée de ne pas lâcher, et cette idée de ne pas lâcher finalement rejoindrait la quête de soi et la quête du courage, le fait d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de sa passion, de son rêve, de son envie, vous savez, l'envie qu'on a au creux de notre ventre, celle qui nous fait réellement vivre, réellement vibrer. Et souvent ces métiers passion, eh bien on ne peut pas les vivre en tant qu'artiste, créatif, enfin c'est difficile d'en vivre, c'est difficile. Et là, on est face à une petite jeune fille à qui il arrive plein de mouises. Elle a des punaises de lit dans son matelas, elle a pas de mec, elle en veut un, elle est amoureuse d'un type, c'est un petit peu un goujat avec elle, même complètement. Il lui arrive d'autres choses plus graves aussi, bref. Et ce petit bout de femme joué par Sarah Forestier, Sophie, ne lâche jamais rien, même quand elle craque, même quand elle pleure. Et c'est en cela que ce film est beau. Et c'est en cela aussi qu'il est génial, il donne une force incroyable ce film. Non seulement parce qu'il est drôle, assez tendre, mais également un peu triste. Triste parce que, bah mince quoi, c'est vrai que la vie c'est pas toujours chouette quand on a 28 ans. Elle a le courage de montrer ses dessins et de se prendre à la face, ouais c'est bien mais bon, tu devrais faire une prépa d'art. Ah non t'es trop vieille, dommage. Et d'ailleurs ça aussi c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'à partir d'un certain âge on ne peut plus réaliser ses rêves et elle nous prouve le contraire. Et le petit coup de cœur de ce film, c'est le narrateur, une voix off tout au long du film, qui est interprétée, elle, par Bertrand Belin, un musicien, chanteur, également écrivain. Je vous conseille de tout mon cœur, non seulement de l'écouter en tant que chanteur, il y a des textes absolument magnifiques et une voix, allez écouter sa voix, je l'aime beaucoup, mais en tant qu'écrivain également. Je suis particulièrement fan de deux de ses romans. Le premier, Requin, l'histoire d'un homme qui agonise en se noyant, mais qui est superbement intelligent et qui refait comme ça toute sa vie, toute sa noyade. Bon bref, c'est assez passionnant. Et un autre livre, Le Grand Carnivore, sur la rumeur. Le cirque s'installe en ville, le lion serait échappé, aurait... Enfin, il y a quelque chose d'assez formidable, même pareil sur le rôle de l'artiste comme ça dans la ville. C'est très très intéressant. Il y a une certaine sensibilité, voire une certaine tendresse, mais attention, une tendresse de temps en temps cruelle. Et c'est parce qu'elle est cruelle que justement nous attachons aussi fort au personnage, je pense. Voilà, ici réside mon enthousiasme absolument débordant pour ce film, et puis pour Nine Antico, enfin, là, les bandes dessinées, je suis en train de toutes les prendre à la médiathèque, celle-ci j'ai acheté tellement je l'aimais, celle-ci s'appelle Tonight, je suis vraiment, Dans le film, j'ai pris beaucoup beaucoup de notes, voilà, parce qu'il y avait plein de phrases à noter. Je trouve plein de phrases qui soudainement me parlaient, me touchaient, me sautaient au visage. Et je vais vous en lire une seule,
c'est où s'arrête l'exigence, où commence l'utopie. Je l'adore, elle est citée en voix off, et elle est très importante cette phrase. Voilà, je vous laisse avec cette phrase, je vous laisse méditer là-dessus, comme on dit, je prends les copies dans 4 heures. J'espère que cette vidéo vous plaît, je ne sais jamais quel temps utiliser. Est-ce que cette vidéo vous plaît parce que vous êtes en train de la regarder maintenant? Est-ce qu'elle vous a plu parce que finalement la vidéo est quasi terminée et que... Je ne sais plus, je ne sais pas. En tous les cas, j'espère surtout qu'elle vous donne envie, cette vidéo, d'aller voir Playlist au cinéma. À bientôt pour une prochaine vidéo!